Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 avec les elfes sylvains et Orion. Alors, ça va peut-être bugger parce que entre-temps il y a le DLC Throne of Decay qui est sorti, donc peut-être ça va bugger, peut-être ça va pas bugger, on ne sait pas. On verra ça. Ici on était en train de recruter des armées. Oh oui, parce qu'on en a rien à foutre. Parce qu'on est des elfes sylvains. Des trucs. Eux, ils étaient en train de rentrer. Parce qu'on avait Jeanne et Serge qui venaient nous casser les couilles. Toi, tu rentrais aussi. Oui, tout est bien. Seigneur en garnison non déplacé. Findol. Ils sont. Qui êtes-vous? Ah oui. Ah, mais on peut aller chercher ça. Voilà. Ah, mais on va prendre de l'attrition vampirique de ces meufs. Ah oui, parce que là, on est... D'accord, oui. Il y a Azag ici, très bien. Est-ce qu'on laisserait pas Findol? Mais là, on a vraiment que de la merde à recruter. Si je me mets en tunnel, là. Ah mais il y a une rencontre dans la forêt là. Très bien. Et là aussi. Alors toi tu vas arrêter ça, tu vas te mettre là. Là tu vas recruter. C'est marrant. Ah si, ils ont des régiments de renom. Ils en ont qu'un d'ailleurs. Chevalier de grand cerf, d'accord. Bon, Azag va nous sauter dessus. Hein. Mais force à lui parce qu'on a une garnison là-dedans. Ouais, on a une garnison. Seigneur en garnison, Vanal. Oui. Alors, il faut aller chercher cette lande là. On se mettra en guerre contre Morathi. On a quelque chose à foutre d'être en guerre contre Morathi. Je pense pas. Bonjour. Seigneur non déplacé. Oui, mais toi, c'est normal. Suivant. Daetok. Toi, tu as recruté. Très bien. Il y a une garnison là-dedans. Non. Mais on n'a pas d'ennemis aux alentours. On a ici. On peut l'enlever. On a ici une. Ok. On peut aller chercher ça. Hein. On peut aller le faire. On va réparer nos arbres. Voilà. Parce que réparer les arbres, ça aide. Ça aide. Ça c'est fait, ça c'est fait. Varxio, on s'en fout. Findol, on s'en fout. Durtu. Durtu s'était déplacé. Daith. Daisy s'était déplacé aussi. Alu. Déplacé. Dotaren. Dotaren, il s'est pas déplacé. On n'a pas le voyage dans les feuillages. C'est con parce qu'en vrai, j'aurais bien envoyé là-bas. Donc au pire, il va rester là et il retournera, chercher... Gladelord, à votre service. 247 000 balles. Alors... Que dire de « on a beaucoup trop d'argent » ? Quoi ? Non. Non mais j'arrive, on va aller chercher Orion et on va te casser la gueule. Seul truc qui est con avec Orion, c'est qu'il faut tuer Orion pour avoir Orion. Voilà, je le savais. Il venait chercher « défaite de justesse » nous dit-on. Ah oui. Et il l'a pas détruit. « défaite décisive ». On s'en fout, nous, des vilains. Il a pas détruite. Donc, on va pouvoir lui tomber dessus, peut-être. Bon, après, c'est le bois du griffon. Hein. Oh, Varxio est mort au combat. C'est con ce qui lui arrive. Fin prêt. Ok. Ah, Orion. Très bien, bah, c'est exactement ce qu'on allait faire, tu vois. On allait la casser la gueule à ça. Reshaper of forests. Hop.
paf. My song grows louder. Et il nous faut le tireur embusqué. On va retirer quoi? Hop. I live to serve. Ah oui, il a popé où? Où est-ce qu'il a popé ce con? Defender of Athel Lauren. Il pop à l'endroit, c'est vrai qu'il pop à la ville la plus proche de là où ils sont morts. Et à peine niveau 20. Donc il a eu de la chance de survivre ce con. Bon, toi. Au moment, tu vas juste te mettre en ville pour finir ta recharge. Ta reconstitution. Ça, c'est bon. Ça. T'as des chevaliers sauvages. Hop. Il va avoir connu. Ah, il va pas en avoir. J'aime bien, moi, les chevaliers sauvages. Avance par ici. Vous allez retraverser de toute façon. Alors. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas. Nous allons libérer la lande. Highborn. J'ai à dire. Oui, du bois. Elle aura plus de santé, ma forêt qui vient de se faire piller. On n'a pas récupéré la forêt hantée qui est aux mains de ces saloperies de Nurgleux. Alors attention, c'est pillé, hein, c'est ça? Réseau auto. Mettre à sac, comme ça on a réussi notre mission. Piller cette région, je viens de le faire. Ah non, piller, c'est ça. Oh, wow. On va piller ce chien. J'aurais pu piller et la prendre après, mais... Alors, ici. Ici, on va regarder, ça doit être bon. Spellweaver. J'ai combien de vie? 44. Je te déclare la guerre, Momo. Unlikely. For the king and queen in the woods. Alors, est-ce qu'elle veut bien faire la paix tout de suite ou pas? What is it? Momo, elle veut pas. Très bien. Bon, on s'en fout, ça nous fait des sous. Fureur sylvestre. Ah oui. Ah oui, bah oui, il faut le prendre. Nous n'avons pas trop d'armées, ce n'est pas vrai. Je vous interdis de dire ça. Alors, je sais même pas qui c'est lui. Ah si, ça doit être celui qui est là-bas au bout. Plus de tirs. Ok, les sœurs, ça donne quoi votre bataille? Victoire à la Pyrrhus. Est-ce qu'on perd des choses? On perd un danseur de guerre, ben on va continuer le siège, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Val de Gand. Ah oui, pour Val de Gand, il faudrait que je me fasse des Dalariel, mais mon allié, je crois. Je crois que ça marche hein, si ce sont des alliés. Toujours plus d'argent. Toujours plus d'argent.
We have much to discuss. Come, join me. C'est ça, hein, c'est allié ou... Ouais, c'est ça. Faut que je m'allie à elle. Elle a que deux landes, celle-là ? Val de Gand ? Ouais, ça monte tout seul, hein. Donc, bon. Donc peut-être qu'au prochain tour, elle voudra bien. Elle voudrait bien si je lui donne Val de Gand, mais je vais pas lui donner Val de Gand. Pas fou non plus. Ah, ça monte de 7 par tour. Ça va aller vite. Dans 25 tours, ce sera fini. Ça, c'est au rayon. Ça, ok. Ça y est. Elle gagne 3 de vie. Il y a lui qui est là. These are dark times. Ah, attends. Je vais même te mettre à couvert. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais, après le reste, il me faut la forge. Hein. Construisez la forge ici ou pas ? Lord, at your service. Ne construisez pas la forge. Donc, tout va bien se passer. Bois du griffon. Bois du griffon, on venait de. Tu vas le prendre, hein, de toute façon. Seigneur non déplacé, Dave. Ah oui. Bah rentre à la maison. Je peux casser ça. Je vais casser. Casser. Oh, 8000 balles, merci. C'est vrai que les elfes sylvains, c'est... Mais va pas par là, espèce de trou du cul. C'est un arbre, hein, il faut pas trop lui en demander. Hein. Perte de vigueur réduite, pourquoi pas. Seigneur, garnison non déplacé. Alu. Allumez le feu. Il y a Urzak qui arrive, toi. Yes. Bonne question. The forest has spoken. How can I assist? Ça, ça va venir nous emmerder, donc on va aller directement sur eux. Hein. Mais lui, c'est normal, il est en campement exprès. Et en garnison, fin du tout. Alors je me demande si je faisais la paix avec tout le monde, à combien je serais en négatif niveau thune si je payais de l'entretien. Voilà, il va réattaquer. Cette fois, il va le raser ou le prendre. Il le prend. C'est pas très grave. On va venir le rechercher. De toute façon, je vais pouvoir me téléporter sur ta gueule, tu vois. Donc je m'en bats les steaks. Faction détruite, d'accord. Bois du griffon. Bois du griffon, ok. C'est bon, on gagne toujours de l'argent. Tout va bien. La chasse est ouverte, très bien. On a un entretien quelque part. Gueule. Bah ouais, le meilleur cavalerie, pourquoi pas, ouais, j'ai envie de dire. Moi ça me dérange pas. Le bois du griffon. Alors, on avait dit que Beschaffen. Ouais, c'est quoi la garnison là-dedans? Ouf. Peut-être pas être facile à prendre hein. Victoire à la Pyrrhus, tiens. Je perdrai rien, mais je perdrai beaucoup de troupes, donc on va attendre. Voilà.
Et 16 tours, hein. Putain. Faut le faire. Hein. Ah oui, mais lui, il a le voyage dans les tunnels. Alors, de toute façon, on peut se replier. Et s'il fait le voyage dans les tunnels, il pourra pas se redéplacer après. Your request is reasonable. I weave the living forest. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces armées, moi? Lord of the Glade. Et si on allait ravager l'Empire? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je vais aller ravager l'Empire. N'arrive. Toi tu vas peut-être aller ici. Qu'est-ce que tu peux recruter ici? Ah oui, parce que t'es pas dans le bon mode. Mais c'est pas grave, tu vas recruter ici. Bah, des hommes arbres, écoute, ça me paraît être une très bonne idée comme recrutement. Déjà tous les bâtiments de thunes. Mais je sais pas moi, qu'est-ce que je peux construire d'autre? C'est quoi ça? Les trucs qui ont besoin de la forge? Je pense pas hein. Bah mets de la cave. Pourquoi pas? J'ai trop d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Toi tu rentres à la maison. Pointless. Madness. Stalking. Proud daughter of Athel Lauren. Tu peux pas te déplacer. Can I offer assistance? Merci. Va à Sartosa. Hop. On entrera dedans après. Azray. Et lui, il va arriver nous en... Ouf. Alors, c'est une armée qui peut faire peur, mais c'est une armée de merde, en vrai. Seeking unseen paths. Voilà. Orders received. Allez. On va lui faire peur. Pars de chez moi, saloperie. Donc, là, on va ravager l'Empire. Pour aller jusqu'au bois du griffon. Voilà. Ça me paraît très bien. Durtu, mon petit Durtu. Bah, tu vas aller chercher le bois. Hein. Voilà. C'est tout. Qui est ce con? Un Skaven. Un Skaven, Skaven, c'est un quoi? Le clan Morse. Ouais, ils sont à Hackendorf, c'est ça? Même pas. Qu'est-ce qu'il fout là? On ne sait pas. Bah. Talk. Victoire de justesse. Merde, je perds des dryades. Oh mince alors. Oh wait, prenons de la reconstitution. Voilà. Une guerre de plus. Tout le temps en guerre en fait avec les elfes sylvains, c'est ça qui est bien. T'es que en guerre, tu payes pas d'entretien, et voilà. Enfin, c'est pas tous les elfes sylvains, c'est que Orion, ce qui le rend extrêmement pété, en fait. C'est juste un gros rouleau compresseur. Voilà. La forteresse, ici. We fight for Athel Lauren's future. Tout à fait, je me bats pour Athel Lauren. Hop, pourquoi pas. Alors, attaque en mêlée, allez sur un grand tech, très bien, elle est contente. Voilà, victoire décisive. Allez hop. It will be a glorious battle. Oh. 37 000 balles. Athel Lauren makes clay. Ça n'a pas de sens. Itching for fresh battle. Lord of the Glade. Ça n'a vraiment aucun sens. Combien tu gagnes, ça n'a aucun sens. La flèche de Kurnus, parce que pourquoi pas. Et Par contre, toi, t'as pas une bonne régène. Hein.
twin defenders of the glades. Elles ont pas l'attaque éclair, bah elles vont aller la chercher. Voilà. Night and day. Oui. Jour et nuit. Mais qu'est-ce qui se passe jour et nuit? Awaiting duty. Capitaine de clan. Oui, mais ça c'est que pour les batailles en forêt, c'est un peu chiant. Hop. C'est bon. On peut continuer à bouger les 12 000 autres armées. Alors. Ah oui, Val de Gaon. All are welcome in my court. Pour 34 balles? D'accord. Yes. Et si je te faisais ça? Ah, je peux même pas. J'ai même pas assez de thunes pour l'alliance militaire. L'alliance défensive. Ah, l'alliance défensive, j'aurais. 34 000 balles? C'est mort. Attends. T'es en guerre contre qui? Elle a pas de guerre. Elle est tranquille sur son île. D'accord. Elle est tranquille sur son île, voilà, posée, pépère, pépérounette. D'accord, ok. Alors. Ah oui, toi tu viens de te déplacer. Toi, c'est des... Bon, dans quelques tours, vous venez de vous déplacer. Toi, tu viens de poser le siège. Ici. Ah ouais. Your request is reasonable. Ça vient comme ça. How can I assist you? Pas besoin de renfort. We need some backups. Il y a Lokir là qui arrive. Ah oui, il y a eux. Eux, on savait pas quoi en faire. Mais il va falloir aller chercher les Landes, hein, donc attaquer l'Empire. Hein. On va ravager l'Empire, ça y est. Carlito! Proud daughter of Athel Lauren. Your orders are acceptable. Il est où Carlito? C'est quoi ces armées à Carlito? The nation calls. Je ne sais pas. Bon, elle est niveau 5 Aldor. Même pas encore. Et ça peut déjà sortir des petites saloperies. Hein. Your orders are acceptable. C'est des Landes, ça, il faut que j'aille les chercher. Hein. Je suis vraiment désolé, Carlito, mais... Je peux pas faire autrement, ça m'appartient. Puissance des armes. Pour elle, on s'en fout. Haute magie. Désolé Carlito, mais je peux vraiment pas faire autrement. Allez chercher ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En vrai, attends. C'est vrai qu'il y a ça aussi, je peux faire ça. On est sur du 4 tours, donc on arriverait là. 1, 2, 3, 4. On peut en enlever un comme ça, le mettre là. C'est déjà pas mal. Et est-ce qu'on peut recruter un héros? Une amadriade. Un tireur embusqué, non, une amadriade. Résistance ultime. Il y a là le truc de Durtu. Donc pas dégueulasse. Voilà. Alors, on va aller près de Middenheim. Je vais prendre l'attrition à Middenheim. Ah non, ah, il y a peut-être de la corruption de ses mains. Ah non, c'est parce que c'est des marécages de ses mains. Middenheim, ça va être attaqué. Ça va être attaqué. Ne vous inquiétez pas, Imperio. Nous ne sommes pas là pour vous casser la gueule. Ne vous inquiétez pas.
Non mais faut que je régénère mes forêts, moi, vous comprenez. C'est compliqué la vie d'un elfe si loin. Quoi, tic-tac-toe. Non, reste chez ta mère. Victoire décisive, ils sortent. Ok. Dégagé. C'est à moi! Tout ce que j'ai. Mais casse-toi! Je sais pas qui tu es, mais casse-toi! Ah. La wag échoue, c'est con ce qui t'arrive. Ennemi tué au combat. Ah là là. Batteur d'orc, très bien. Loup de mer. Dragon des forêts pour Findol. Oh. Croisement des bambous. D'accord, je vais croiser mes bambous. Ah bah c'est là-bas. Allez hop. Bah tiens, il est parti. Il y avait une armée là et il est parti, Loki. Hein. Con. Ah, il a fait se replier en mer. Ah, mais non, mais c'est Loki himself qui vient nous casser la gueule. Glade Lord, at your service. Je t'attends, mon petit Loki. Hein. Je vais reprendre hein, ce bois de toute façon. Ah bah Azag est là. En camp de pillage. Orders. Il en veut à Findol. Les Findol qui va prendre la petite flèche de Kurnus. Azray. Glade Lord. The forest has spoken. Bouclier de ronce, c'est très bien. Et vous savez que je vais pas l'utiliser, donc... Ok. Can I offer assistance? Oh, du vin. Enfin, des poteries. Ah, mais attendez, mais... non, c'était là. Lui. Utilisation du pouvoir magique. Pas du griffon. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Reprenne l'armée. Il est où? C'était qui? C'était ce con. Téléportation. Non, téléportation. Bois du griffon. Bonjour. Alors, qui c'est qu'on voit là? Oh mais il y a Vladouné! Il est énorme de merde. Je peux aller chercher Azag. To arms. Jean. C'est à moi. C'est mon arbre. Mon arbre. Bah, on va peut-être mettre des trucs quand même pour recruter. Hein. Ah, et je pourrais me barrer. En mode je te la laisse. Et elle est à Vernagenov. Starting out. La-la-li-la-la. Je vais me mettre là. Et après, je me mets en téléportation en Nagenov. Parce que si je le faisais en téléportation là, il pouvait me choper. Après là il peut peut-être me choper, mais je pourrais me barrer. Donc à moins qu'il soit en guerre contre... Ah il est pas en guerre contre la tsarine. Si c'était en guerre contre la tsarine, il pouvait pas me choper. Ça aurait pu être pas mal. Mais il avait prévu le coup, le petit saligo. Mes bambous sont-ils croisés? Je ne peux pas aller chercher mes bambous. Très bien. Lord of Athaloran, what do you need? Ça consolide les armées, c'est très bien. Bon, on va attendre. De toute façon, ça sert trop à rien. Durtu. Durtu peut faire des choses. Oui. Oh, coucou peut-être. Coucou. Eh, il est en guerre contre... contre les orques, c'est ça? Quick says no. Ah non, moi je suis en guerre contre les orques, donc... oui. Not my fault.
Il va venir nous chercher. Hein. Hop. Et là, il y a Wurzag, mais il est en marche forcée, donc il pourra pas nous atteindre dans tous les cas, c'est très bien. You need me? Forest Shaper. C'est qui lui? Qu'est-ce qui va venir nous emmerder? Les cailloux ici. Les cailloux ici. Bonjour. On va pas les ravager les orques au final. Bonjour. Alors toi, on avait dit que tu le mettais en comme ça pour recruter. Qu'est-ce que tu peux recruter ici? Je demande le peuple. Voilà. Et là, il y a de l'infanterie ou pas? Non. Pour recruter plein de dragons en même temps, ça va être trop bien. Il n'y a pas la forge là. Non, donc ça sert à rien de mettre de l'infanterie. On met ça. Voilà. Ça ici, donc c'est bon. Ici, ça va être bon. On est à 339, on gagne combien par tour? 7 par tour. Faut juste qu'on atteigne 900, donc ça va aller vite. Ok. On va pas attendre ici. Hein. On gagne combien par tour ici? Zéro. Mais elle est déjà à 16. Mais ça va aller vite. Middenheim va être attaqué. Ça, ça va être attaqué. Regardez. Hop. Bonjour. Oui, oui. Leurs alliés, c'est parti, c'est la guerre, mon dieu. Oui. C'est la guerre mondiale, ça y est. Allez, hop, c'est à moi. C'est à moi. Mais c'est pour mes arbres, Carlito. C'est pour mes arbres. Nous on est là que... Nous, vous savez, c'est les arbres qui nous intéressent. Sortez un peu pour qu'on voit ce que ça donne. Regardez, non mais nous, c'est les arbres qui nous intéressent. Highborn. C'est con, si j'avais su, j'aurais attaqué, parce que là, lui va venir. La Tsarina, elle va venir. Mais après, je peux me barrer. Hein. Et lui va venir aussi. Ah. Pas très grave. Ah oui, mais on est en guerre contre l'Ordre Doré, du coup. Ok, ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est un move excellent. Ne vous inquiétez pas. Toi. You need me? Going forth. Who are you? Ah ouais, Luthor, il est en mode je viens te chercher quoi. How can I assist you? Anything is possible. Your request is reasonable. Ah, venez. Come on. Ok. Et c'est ça d'être en guerre contre tout le monde, hein. Contre le monde entier. Donc moi je dis... Nous allons employer des gens. Portée plus 15%. Pas dégueu. Alors... Donc, on disait, on va se calmer un moment. Et je cure nous. Bon, ici, c'est que de la garde Sylvain. En vrai, on va mettre ça un petit peu. Ne nous inquiétons pas, ne nous inquiétons pas. Nous ne pouvons pas perdre cette campagne. Alors, parce qu'on est bien trop pissant. Alors, toi. Nature's servant. Bonjour. We fight for the forest. Beware of knives in the dark. The woods await.
Du bois. Aya Morati. Coucou Momo. Momo, Momo. You have my undivided attention. Et voilà, regardez, elle aime bien tout ce qu'on fait. Mais elle veut toujours pas de... Je te menace! Elle va finir par dire oui. Alors... Bonjour. Remain calm. Can I offer assistance? Bonjour. I go then. Ça va, Momo? Tu te sens pas trop oppressé? Je peux encore en faire, hein, des armées, Momo, donc t'inquiète pas, si jamais tu te sens pas assez oppressé, je peux faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, regardez, elle a déjà 19. Très bien. Tout se passe selon le plan. Allez. Les tours sont tellement longs. Amélioration de bâtiment quelque part. Oh oui. Très bien. Encore plus de dragons. Ah oui, lui, j'ai oublié de le déplacer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Scarbrand ? Scarbrand la lopette ! Panton a repli. 12 000 qui se lévitent sur ma gueule, ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. Défaite valeureuse. Ouais, Lokir qui vient. Victoire de justesse. Bah, je vais la faire en auto. Au revoir. C'est qui ? Kalsim ? C'est qui ? Mais par où il a fui ? Je sais absolument pas par où il a fui du coup. Il a forcément fui vers le haut, ce con. Et on a quoi ? Du chariot à pompe, flap flap du chariot à pompe normal, des catapultes, des trolls. Pas des explosifs ça, non. C'est Azag hein, qui fait que... Azag c'est un magicien, attention, domaine de la mort. Bon chef orc noir. Après il a pas de ligne. Hein. Oh, non. On a un peu de cavalerie, on pourrait peut-être aller chercher ces catapultes. Ça dépend comment ils se déploient. Ça dépend s'il attend les Kislevites aussi. Les sœurs de l'épine, c'est des lanceuses de sorts. Elles ont des sorts. Ah. Je ne savais pas. Je n'avais pas vu. Ces catapultes, elles vont nous faire mal, ça c'est sûr. Donc là, il va se déployer. Donc nous, on peut se déployer là pour pouvoir commencer à les harceler. Je sais pas, ils n'auront pas de cavalerie, je crois. Hein, les... C'est une guivre. Ils ont Gotrek et Félix quand même. Hein. Alors, comment qu'on va faire ça? Ah, c'est con, parce que là j'ai une position défensive. Ready and waiting. Defenders of Athelloran! Order! Your command! War dancers! Alors, merci.
peut faire ça, hein. Ça, c'est de la cavalerie qui tire. Alors, elles ont quoi comme ça? Ouais. Ah ouais, quand même. On tente de se mettre là pour aller emmerder la cave. Les... Et si je me mets là, comment je m'enfuis? C'est ça le problème. Ça court à combien ça? 99 et ça 89. Ouais. Ça me paraît con cette idée. Hein. Ça me paraît un peu con. Alors qu'on pourrait se mettre là. Et voir comment ça se passe. Plutôt sur le côté d'ailleurs. Ça on pourrait peut-être contourner. On va peut-être plutôt faire ça. Ouais, tu te mets là. Ouais. Mets là. Ah mais tu pourrais aller avec eux. Va avec eux. C'est quoi? Mais il m'a vu direct. Ok, on était caché, il m'a vu. Super. Je gagne ou pas? Ah, je gagne contre lui, très bien. Ok, on était censé être caché, mais apparemment non. Mettre combien de temps à arriver ces cons? 1 minute 30, ok. Allez! Ça tire pas là? On n'est pas censé pouvoir tirer en mouvement? Ah si, quand même. Quoi? Ah oui, c'est ça, mais par contre, gaspille tes vents de magie sur mes. Sur ma cavalerie, ça me va. C'est quoi ça? Des orques costauds. Arrive. Alors, en attendant, ces catapultes, elles nous tirent dessus, donc ça va. Ça tire sur ma cave. C'est quoi ça? Des trolls d'eau. Ils tirent, hein, j'espère. Oui, ça tire un petit peu. Ah, je suis au bord de map. Merde. La carte, merci. Et je voyais pas la ligne. La ligne n'apparaissait pas. Hop là. Barrez-vous! Mais comment vous pouvez vous faire rattraper par des trolls? Ça lui a quasiment rien fait. Moi j'ai pas l'impression que mes mecs ils tirent, hein. Ils sont censés pouvoir tirer en déplacement. Pas l'impression que ça tire beaucoup. Hein. Mmh. Ok, on a les Kislevites qui sont arrivés. Hein. Ouais, ça tire pas. Hein. Il tire pas. Je suis censé avoir tiré en déplacement. Hein. Pas eux, mais eux ils sont censés l'avoir. Hein. Non, ils ont pas le tir en déplacement. Si, ils font en déplacement. Mais bordel, vous pouvez pas vous faire rattraper, vous êtes plus rapide qu'eux. Ça va à combien ça? Eh oui, on va à 100, ils vont à 74. Ils peuvent pas nous rattraper normalement. À un moment, il faut arrêter les conneries. Ok. Oh, je m'en fous. Alors... C'est quoi ça? Gotrek, tiens. Petite flèche de Kurnus, tiens. Encore une. Et elles ont pas le feu en déplacement, elles-ci, ou pas? Si, elles ont le feu en déplacement, il y a personne qui tire.
C'est pas possible. Hein. On a le feu en déplacement, il y a personne qui tient. Donc peut-être un petit problème là-dessus. Alors, tiens. Tiens là-dessus. Les catapultes là, elles sont où? Elles ont quasiment pas utilisé de munitions. Comment ça se fait? Elles nous tirent dessus et elles n'utilisent pas leurs munitions. D'accord. Ok. Et puis tout à l'heure, elles nous tirent dessus mais sans utiliser leurs munitions. C'est plutôt sympathique. J'aime ça. Et pourquoi? Regardez ce qu'elles font. Elles font des ronds. Mais mes troupes font des ronds. Je leur demande d'avancer, ils font des ronds. N'importe quoi, encore une fois. Encore une fois, le jeu qui a des bugs bizarres dans les déplacements des unités. Hein. Les troupes, elles font des cercles. Je leur demande d'avancer, elles se replient, elles font des cercles. On l'a déjà vu. Hein. Plusieurs fois. Alors, les celles-ci par contre. Bon, quand tu veux, quand tu veux. Yeah. C'est quand il voudra. C'est quand il voudra. Oh oui, beau shoot. Et mes tireurs, ça tire ou... Ils attendent un petit peu le lendemain. Lendemain de soirée apparemment pour mon armée d'elfes Sylvain. Elles se font choper à chaque fois alors qu'elles sont plus rapides que tout le monde quoi, c'est fou ça. Je comprends pas. Hein. Ça tire là, ça fait quoi? Okay. La guivre, elle meurt, s'il vous plaît. Vas-y, au corps à corps et tu me chopes ça. Emma. To the fray! Attack! To battle! Mais bordel! Vous savez pas courir ou quoi? C'est quoi vos... Regardez les... comment elles sont étendues! On comprend pas là! Qu'est-ce qui se passe? Bon, la guivre elle est morte, ça y est? Ok. Ça tire, ça fait quoi? Pas l'impression que ça tire beaucoup, hein, mes troupes. Et la cavalerie qui ne peut pas s'en sortir alors qu'elle est censée être plus rapide, quoi. C'est fou. C'est très très fou, ça. La cavalerie qui n'a jamais réussi à faire son travail. Ils sont censés être beaucoup plus rapides que les ennemis et ne peuvent pas faire leur travail. C'est hallucinant. Mes archers qui font rien. Mes archers ne tirent pas non plus. Regardez, leurs munitions ne tombent pas. Je n'ai personne qui tire. Personne ne fait son travail. Mais c'est quoi? C'est le DLC qui fait ce bug-là? Regardez, elles sont lentes comme des culs. 77 de vitesse. Mais elles avaient 90. Mais ça, il n'y a pas de dangereux là. Toi. Veille du bois là-dedans. C'est vrai que j'ai des sorts sinon. Hein. Les tireurs, je sais pas où ils sont, je sais pas ce qu'ils font. Ils branlent rien. Elle, on sait pas ce qu'elle fout non plus. Pourquoi la ligne est tant dégagée que ça? On ne sait pas. Il y a le seigneur qui fuit, qui a fait peur à personne avec son dragon. Mais elle a que niveau. Mais tireurs qui n'ont rien fait, c'est quand même assez hallucinant. La cavalerie qui ne fait rien non plus. Tire pas, c'est pas possible. On voit pas les... La cavalerie est où? J'ai cliqué. Les clics qui se font pas, c'est saoulant aussi un petit peu quand même. Withdraw.
t'avait demandé de charger elle, hein, pas quelqu'un d'autre. Quand tu veux le dragon. J'avais visé celle-là, mais c'est pas tout fait. Your command? Loose! Ça tape là ou ça fait quoi? J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, hein. Pourquoi ils sont là, je leur ai jamais demandé de venir là. Ouais, comme par hasard, il est resté. Ça fait 10 minutes qu'elle a plus qu'un PV. Et il arrive jamais à la toucher, comme par hasard. Alors qu'on aurait pu la tuer. La cavalerie qui n'a absolument pas fait son travail. Il n'y en a aucun qui a tiré en déplacement. On se demande pourquoi. Ils avaient 100 de vitesse, d'un coup ils se sont retrouvés à 70. Alors qu'ils étaient contre Azag. Azag n'a pas de sort pour ralentir les ennemis. Il n'a fait pas d'engelure. Oui, je me suis pris le cercle de glace. Mais 20 minutes avant. Donc à un moment... Non. Il s'est passé des trucs bizarres en cette bataille. Mes archers, ils tiraient, mais on a l'impression d'un coup, ils faisaient plus de dégâts. Alors que, on a vu tout au long de la campagne que les archers, normalement, ils faisaient bien leur travail. Et la cavalerie, normalement, elle fait bien son travail. Et là, elle le faisait plus. Donc, il doit y avoir un... Voilà, il y a eu le DLC. Ils le disent que quand tu as un DLC, tu peux avoir des bugs. Je pense que nous avons quelques petits bugs. Mais c'est pas grave. Ah, si je mets la bannière, je perds une unité. Si je la mets pas, je la perds pas. Je vais pas mettre la bannière alors. Undead cretin, your wits. Were it not for the kind heart of... Quoi? Mais arrêtez de m'emmerder! Mais arrêtez de m'emmerder! The mighty Deepwood welcomes. If I had my way, non! If I had my way, the wild hunt. Pas qui c'est. Alors, bon. La caméra elle a tourné dans tous les sens, je sais pas où est-ce que je suis. On va regarder tout ça. Oui. Il s'en passe des choses. Oui. C'est bon? Ok. Alors. Attends. Il est où? Attends. C'est-à-dire que mon armée, elle était là. Elle s'est enfuie par là. C'est ça que ça veut dire. Toujours une très grande intelligence hein, de la part de la fuite. Mais bon, on voit que ils sont pas en guerre, des trucs comme ça. Can I offer assistance? Je suis pas assez loin, non. Lui, il avait rien pris. Bon. Attendez. Reshaper of forests. Can I offer assistance? C'est quoi ça? Sigma forbids this. Going forth. Là, il va y avoir une grosse bataille. Il y a quoi? Ah, mais il a pas beaucoup de... Ouais, ça se gagne, ça. Un petit régiment de renom disponible? Non. Ah, c'était lui, d'accord. C'est l'or qui était là, d'accord. Des fois, pour te souvenir ce qui se passe, c'est... Hein? Pas... Tisseur de vent, elle mange beaucoup de flageolets. Proud son of Athel Lauren. Durtu est où? Durtu est là.
Tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ok. On va se rassembler. On va rassembler les forces. Concentration des efforts. Rappelons-nous ça. Toi tu es loin. Je sais pas où tu es mais tu es loin. Bah non, toi c'est un guerrier. Toi c'est plus... voilà. Flèche de Kurnus, évidemment. Flèche de Kurnus. You called? Orders? Glade Lord, at your service. Voilà, alors. On a plus combien? Plus 7 par tour. C'est lent! Mage of the Fey Folk. Ok, toi ton armée elle est prête dans un tour, très bien. Protector of the forest. They will be stopped. It will. Ici ça donne quoi? Les assièges pas. Est-ce que j'ai pas l'attaque éclair avec elle hein. Ah bah c'est bon. On va attaquer Luthor. Merci. Attaque éclair. Victoire à la Pyrrhus, nous dit-on. Et si j'attaque l'autre d'abord? Azray, proud daughter of Athel Lauren. Victoire de justesse si j'attaque l'autre d'abord. Ben, on va d'abord attaquer l'autre. Sachant que comme ça, je pourrais ramener aussi ma deuxième armée qui pourra aussi se attaquer. Voilà. Et là, on n'a pas de cavalerie par contre. Tiens, des zones de déploiement toutes petites. On peut pas se déployer là sur cette grande colline? Ce serait bien. Mais c'est pas une carte de mission de campagne ça, avec Sartosa ou je sais pas quoi? Où il y a de l'Empire là avec des canons et tu dois aller les chercher. Il me semble que c'est ça. Hein. Il me dit quelque chose ça dans une mission de campagne. Dans une quête. Et je suis sûr que c'est de l'Empire qui est au-dessus. Mais je sais plus c'est qui. Ah bah non, c'est peut-être pas ça alors. Ils ont quoi? Des boucaniers, ça. Épave. Ouais, ils ont pas grand chose. Hein. De l'artilleur, ok. Alors. Wildwood Rangers! For the Eternal Realm! Bows of Athel Lauren! Voilà. Normalement, il va pas venir. Elle a la flèche de Kurnus. Où est-ce qu'il vient? Il vient, très bien. Elle vient contre quoi? Ah, elle perd contre le vampire, tu vois. Ça me fait pas peur, ça. Hein. Bowman ready! Now! Straight away! Ah oui, mais eux ils tirent en cercle, donc on s'en foutait en fait. Wildwood Rangers! Ils gagnent contre le vampire. LOL! Ça tente un débordement avec de la cavalerie. Bon, les chiens galeux, bon, je pense qu'on en a pas peur du tout. Peut-être aller au corps à corps contre eux d'ailleurs. Il me semble que ça tire des bombes ou je sais pas quoi. Hop!
font pas chier. Voilà. Ah oui, ils sont empoisonnés, tiens. Bah oui, c'est vrai que j'ai des flèches de poison. Ok. Mettez-vous. Remettez-vous normalement. Ok. Aïe. Oups, désolé, les chiens. Ok, barre-toi. Missiles ready. Swiftly. Tirez là-dessus un petit peu, s'il vous plaît. On n'aura pas le temps. Ah si, elle peut tirer au corps à corps, tiens. Elle peut tirer ses flèches de merde au corps à corps, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Voilà. J'aime tellement ce sort. Commandement. T'es pas censé aller au corps à corps, toi? En vérité, il me semble que si. Hein. Donc c'est ce que je t'avais demandé. Oh, allez hop. Ah, c'est un seigneur. Foes of Athaloran, Glade Guard. Allez, tu vois ici. Warriors of Ariel, Wildwood Rangers. Allez. Allez. Le piou piou. Ce qui me semblait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Ah oui, j'ai eu que 83. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'était des. Il y en a une, c'était des chauves-souris. Les épaves animées qui ont fait un mort. Bravo à elles. Ah oui, donc on avait pris de la vie, mais on n'a pas eu beaucoup de morts. C'est surtout les lanciers, quoi, qui ont subi, quoi, mais... ça, après, c'est leur travail. Alors, donc, on disait... C'est quoi, ça? Ah oui, c'est leurs armées à la con qui peuvent s'enfuir, qui vont rester en vie 10 000 fois. C'est chiant. Voilà. Tu m'étonnes que tu te barres. Toi, tu vas aller les tuer. Les voilà, merci, au revoir, bonne nuit. On va se faire chier la vie. Plus que ça, très bien. Toute voile dehors. These are dark times. Destroy them. Excusez-moi, on voit pas grand chose avec mon gros dragon. On en plus 4. Pourquoi pas. On va la faire. Voilà.
Le jeu veut que je la fasse, hein, ce qui va m'enlever trop de troupes. Donc on va avoir une victoire décisive. Ah, il a zéro ligne. Par contre, il n'y a que des tireurs. Très bien. Ah bah, c'est la même map. Très bien. Et en plus, dans les renforts, on aura encore plus d'archers. Donc ça va être encore plus facile. Bon, on refait la même. Hein. Sauf que cette fois, j'ai un dragon. J'ai plus un petit oiseau. J'ai un gros dragon. Gros dragon. Est-ce qu'on se tente une armée remplie full dragon? Il se met loin alors qu'il a pas de tir. Moi, j'ai ma position défensive. Une 53. Voilà. Children of Athelloran. Voilà. Lady of the Glade. Commencez la bataille. Luthor, t'es où? Ah, il vient pas. Il attend mes renforts. Bah, très bien. Bah, écoute, si tu veux... C'était quoi? Il a un canon? Je l'ai pas vu. Attends, il est où son canon? Il a pas de canon. Ah, c'est peut-être une capacité d'armée qu'il a. Je sais pas, je connais pas trop Luthor, j'ai jamais affronté, donc... en vérité. Puis bon, te souvenir de toutes les capacités d'armée, etc. Quand tu vois le nombre... Non! Pas contre ça. Pas contre les abordeurs, tu vois. Tu-tu-tu! Yaha! Ah oui, ça me fait du dégât sur les unités. C'est vraiment pour sniper les unités, pas trop pour les seniors. J'ai envie de faire un petit... Ouais, d'accord, ok. C'est une capacité d'armée. Très bien. Monsieur veut la jouer comme ça. Bonjour. Puisque tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut avec ses chauves-souris à la con? Oh, dégagez! Cassez-vous! Allez hop, ça dégage. On va peut-être leur dire de pas tirer. Donc gaspiller vos munitions pour des petites merdes comme ça. Ça m'ennuie un peu. Ok. Ça avance. Wow. Fire at will, comme on dit. Alors? Merci. Alors, si vous pouviez tirer... Oui, bon, bah allez, finissez-les. Voilà. Allez, hop. Maintenant, tirez sur autre chose, s'il vous plaît. Mon petit Luthor. Celle-là, elle est pour toi. Voilà. Tirez sur les abordeurs, c'est très bien. Alors. Très bien. C'est bon. T'es pas désengagé encore? À l'ancienne. Moi, je peux pas utiliser le souffle du dragon. J'ai un souffle normalement. Pourquoi? Hors de la mêlée. Je suis pas en mêlée, je. Elle veut pas se dégager de la mêlée. Elle se dégagera pas de la mêlée. Allez. Hop. On y va. Elle veut pas se dégager de la mêlée. On va pas la dégager de la mêlée. Hein. C'est bon, ça. Je voudrais pas l'embêter. Moi, vous savez, moi, je suis un homme simple. Hein, je veux pas embêter les gens. Allez. Voilà, Madriade. Je vais faire un sang de la terre. Barre-toi. Ah bah là, là, je peux faire le souffle. D'accord. Ok. Donc il y a 2 minutes, je pouvais pas parce que j'étais en mêlée. Alors, j'étais plus en mêlée et là je suis plus en mêlée. Allez, sur les tireurs, s'il vous plaît. Deep word archers.
fait, je t'avais demandé de charger ça, non? Warriors of To battle! Aye! By Kurnos! Athaloran! Encore vivant, ces tireurs? Et la Madria toute seule au milieu. Pourquoi pas, hein? J'ai envie de dire, c'est une stratégie. Je sais pas pourquoi elle était au milieu comme ça, mais elle y a été. Je vais plus peut-être. On a fait des rayons laser. Hein. Excusez-moi. Lady of Athaloran. Deepwood Infantry. Allez Luthor, on meurt. On fait comme tous les autres et on meurt. S'il te plaît. Aïe. Il n'y a pas eu de friendly fire. Hein hein. On a pas fait son sort mais. Bon Luthor, fais pas chier. Merci. Bon, ça va encore. Elle a pris cher, mon seigneur. Mais bon, à un moment, elle se faisait tirer dessus par tout le monde et je pouvais pas faire mon souffle du dragon. J'étais pas au corps à corps, mais j'étais au corps à corps quand même. Bref. Allez hop, ça dégage. Emballé, c'est pesé. Un peu de reconstitution. Merci. Dragon des forêts aussi, très bien. Il faudrait que je regarde. Luthor, quand on plus 10 en combat dans les mers, résistance au sort. C'est un peu de la merde. Enfin... Quoique pour un seigneur, résistance au sort, c'est pas si mal pour les... Enfin, ça peut être bien si en face, ils te font beaucoup de... comment ça s'appelle ? Pure d'esprit. Oui, je l'ai bien niveau 2 pourtant. Il voulait pas le faire niveau 2. Marrant. Lady of the Glade. C'est bon, tout le monde est monté de level, très bien. Bon. On a fait un peu de nettoyage luthorien. Oh, les rois des tombes qui reviennent, ils vont encore continuer à nous emmerder. Un tour. T'es à combien, toi? 349. Bâtiment 4, forêt guérie 2, lande pacifiée 7. Ouais. Est-ce que c'est bien ces forêts-là hein? Je crois que c'est ça qu'il faut... J'ai pas guéri de forêt, moi. Alors que j'ai celle-là niveau 5. Celle-là niveau 5. Donc non, c'est pas ça. J'ai pas guéri de forêt. J'ai pas fait le truc. Je ne sais pas. Itching for fresh battle. Hop. Your request is reasonable. On va finir ce tour-là, dans cet épisode. Merci, bonjour. Bonjour. Join us. Together as one, Aerials will. They will not. We fight for the forest. They shall join the we. Ça améliore la constitution, ça, oui. How can I assist you? Oh, des animaux. Et Morati, elle est partie d'Arnheim. Oh, oui.
Voilà. Victoire à la Pyrrhus, on perd rien. Allez hop. Death stalks our streets. Bonjour. Hop. Vous désirez, monsieur Tyrion. J'ai toujours pas. Traiter avec Saferi. Je suis une menace stratégique. Mais non, t'inquiète. Par contre, si je fais l'amour à Tyrion, elle va peut-être vouloir. Ah, mais tiens, elle veut pas. 1200 balles. Enfin, 2000 balles. Ouais, vas-y. Ou bien rejoindre ta guerre. Ah, bah, une guerre contre les mêmes gens. Voilà, comme ça, Avelorn, normalement, elle va plus apprécier. Ouais, ça va augmenter le nombre de points que je gagne. Les maîtres du savoir. Oui, moi de chien. T'es encore vivant, toi. Très bien. Tout impressionnant. Et j'ai pas de traité avec Saferi, elle me dit que j'ai un traité avec Saferi. Come, simple creature. Defender holds the majesty. Give the word. Welcome. What? No, swear that the Azrae. Ok. Je sais pas pourquoi même moi. You stand before the mistress of the undying. Voilà. Remonter un peu plus. Traité avec Saferi. Parce qu'en fait, je vise l'alliance pour que je puisse avoir les landes sans l'attaquer. Les 3 landes là. 4 landes d'ailleurs. Elle a les 4 landes, donc ce serait pas mal. Je gagnerais plus de vie. Est-ce qu'on a encore des choses à faire dans ce tour? Bonne question. Oui, ici. Ah non, mais ils sont tous téléportés. Et bien voilà, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.